je suis Corinne de l'atelier de Coco Patch. On m'a demandé de faire une petite vidéo pour vous montrer comment on change une lame de cutter sur un cutter rotatif. Donc en général, les lames sont fournies dans un petit emballage qui est assez pratique. Je vous rappelle que le cutter a toujours donc la lame vers vous, un poussoir, et derrière vous avez la vis ou un système de clips pour pouvoir enlever la lame. Donc on va enlever l'ancienne lame. Voilà, comme ça elle est posée sur votre table. En général, faut vous en profiter pour nettoyer un petit peu s'il reste de la bourre. On ouvre et on récupère. Mettez toujours bien vos mains à plat et vous allez pouvoir remettre l'ancienne tout de suite dans la boîte. Et après, vous remettez la vis. Voilà, une lame toute neuve. Donc là, ce serait pareil, il faudrait juste dévisser, vous laissez bien votre lame au sol. Et là, c'est pareil, sur encore une grosse vis. Voilà, je vous rappelle qu'il faut changer régulièrement votre lame. Et vous pouvez parfois garder une lame si vous trouvez un petit support pour couper quand vous faites du chain piecing. Il faudra que je retrouve un petit modèle à vous montrer sur le blog. Bon, bah voilà, vous voyez que c'est pas sorcier. À bientôt!